tourner souvent. Et tourner toujours, tourner, tourner au son des hautbois. Le gros soldat, la plus grosse bonne sont sur vos dos. Comme dans leur chambre, car en ce jour au bois de la cambre, les maîtres sont tous deux en personne. Correspondance française est un mariage inédit entre des textes de grands auteurs français et des œuvres musicales de compositeurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ce mariage a donné naissance à des chansons. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant? Une baiser sur cette bouche. La naissance de la voix qui m'est chère. J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués. Sur ma poitrine ne se plierait pas au contour de ton corps. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'aller jouer ce projet à l'étranger, et notamment en Russie, à Saint-Pétersbourg, à la Philharmonie. Et le spectacle a été accueilli vraiment très chaleureusement par tous les francophiles. Ça nous a permis de pouvoir présenter cette culture française à la fois à travers la musique et à travers les textes. Il a bossé pendant des jours, t'a chanté avec amour, d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermis, au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. J'ai inclus un petit peu d'humour grâce à Boris Vian et sa Java des bombes atomiques que j'ai marié avec Masque de Claude Debussy. Nous avons aussi un surprenant Corneille et un tout jeune Rimbaud qui a écrit un poème très amusant sur un jeune homme qui recherche une petite bête dans le décolleté d'une jeune fille. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs. Ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras égratigné, un petit baiser comme une folle araignée te courra dans le cou. Et tu me diras, cherchant en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à chercher cette bête qui voyage. Dans ce projet, je me suis attachée à chaque fois à faire correspondre l'atmosphère de la musique et le sens des textes. J'ai choisi par exemple la valse noble numéro 2 de Maurice Ravel, que j'ai mariée avec ce très beau poème de Louis Aragon que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Les yeux d'Elsa et qu'il a écrit pour sa compagne Elsa Triolet. Tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa.
Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts.